Quoi d'autre est possible ? Je suis Leïla Mil et aujourd'hui je vais vous parler justement de cette phrase que j'utilise régulièrement. Quoi d'autre est possible ? Parce que je pense que dans la vie, nous avons souvent des points de vue fixes. Nous pensons que nous avons analysé toutes les possibilités, toutes les situations pour déduire quelque chose qui va se passer. Et de l'expérience que j'ai faite ces dernières années, eh bien parfois, se laisser porter par Dieu, par l'univers, par la terre-mère, ou quel que soit notre point de vue, eh bien ça permet aussi un lâcher-prise et une forme de confiance qui permet de recevoir des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Alors, cela tient aussi à notre capacité non seulement à être vulnérable, premièrement à être vulnérable, à dire « mais je ne peux pas tout gérer, j'ai besoin d'aide », deuxièmement à avoir confiance en cette puissance qui est au-dessus de nous, et enfin d'être capable de recevoir. Parce que si je suis dans l'incapacité de recevoir, eh bien l'abondance va rester ailleurs en fait. Et j'ai expérimenté ces dernières années vraiment de me dire ben quoi d'autre est possible, c'est vrai. Et en même temps, reste ouverte à toutes ces possibilités que je n'ai pas encore envisagées, mais qui existent, qui sont là, qui sont presque en train d'arriver. Et en fait, je suis dans la reconnaissance et la joie. Et surtout, je reste disponible, j'accueille et je suis simple avec tout ça. Voilà, donc c'est l'explication de cette phrase « Quoi d'autre est possible ?» À très bientôt !